et ses pinces tranchantes. Mais la sangsue couverte de mucus est insaisissable et retorse. Elle cherche une faille dans la cuirasse du crustacé. Et elle finit par en trouver une. Une fois sous la carapace, elle incise les tissus mous du crabe pour aspirer ses liquides corporels. Si ce crabe s'est battu seul, d'autres crustacés préfèrent affronter les